premiers à percevoir l'ampleur du mouvement des Gilets jaunes. Et à l'époque, il était traité un peu par le mépris. Et d'ailleurs, moi-même, à l'époque, je me disais, bon, ça va s'essouffler, ça va s'arrêter. Et en fait, non. Et il a fait partie des gens qui ont compris l'ampleur de ce mouvement. Donc, je vois pas pourquoi il faudrait lui dénier le droit de pas d'être porte-parole, mais en tout cas d'être un des organisateurs des débats. On veut qu'ils disent à Macron que le peuple en a marre. Le peuple, il en a marre. Le peuple, il souffre. Et on va revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron hier au JT de 20h de Gilles Boulot. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est essentiellement, j'allais dire, sentimental. Donc ça va totalement avec Hanouna, qui lui-même est totalement dans le sentiment constamment. C'est-à-dire que on l'entend constamment dire « mes chéris ». Alors les chéris, justement. « Mes beautés »,« ah, je t'aime ». Ça va, mes amours, merci d'être là. « Je t'embrasse »,« je te prends dans mes bras ». C'est-à-dire qu'on est dans un lieu où il ne s'agit pas de développer des idées, mais où il s'agit de développer des sentiments. Pour les spectateurs d'Hanouna, Hanouna représente l'anti-Barthès d'une certaine façon. Le fait que les Gilets jaunes, si vous voulez, aillent chez Hanouna, là, c'est aussi une volonté justement d'être le peuple qui s'adresse au peuple.